Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà le groupe Colomb Voyage qui s'apprête maintenant à conquérir les rites de la Umra, donc de ce mois de mai 2024. Donc la direction Miqat al-Hudaifa, en état de sacralisation bien sûr, c'est-à-dire en état de ihram, nécessaire à la validité de notre Umra. Chaque fois que quelqu'un veut faire un tawaf, il doit toujours terminer 7 tours et les parachever par 2 unités. Birahmatika ya arhamar rahimin. Une fois là sur la gauche, il y a ce qu'on appelle Rukn al-Yamani. Il est recommandé à cet endroit de prononcer la formule qui est donc citée dans le Coran, qui est la suivante. Rabbana, Rabbana, Atina, Atina, Dunya, Dunya, Sanatan, Sanatan, Bil Akhirati, Sanatan, Sanatan, Waqina, Waqina, Adhab al-Nar, Adhab al-Nar, Adkhilna, Adkhilna, Al-Jannata, Jannata, Ma' al-Abrar, Ma' al-Abrar, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Rabb al-Alamin. La petite, la cabane du Grand Ibrahim. Et qui est là où il y a les empreintes de Sayyidina Ibrahim enfoncées dans la roche. Et cette roche était utilisée comme échafaudage, montée sur la pierre pour pouvoir s'élever et poser les pierres les unes par-dessus les autres et construire le Kaaba. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala au Coran al-Karim, « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا » Vous avez le Sheikh Ismaïl Mughay là-bas. Il se trouve dans la partie nord. Et c'est là que Sayyidina Ismaïl a construit son petit muret qu'on appelle en arabe Hijr Ismaïl. Voilà, donc c'est différents endroits importants de Al-Masjid al-Haram. Vous voyez tellement il est beau, tellement c'est magnifique. Là, on est arrivé maintenant au niveau de la pierre noire. On lève la main vers la droite et on termine le dernier tour. Allahu Akbar. Et après le dernier tour, il n'y aura pas de takbir. Voilà, nous parachevons notre tawaf et nous allons après cela accomplir les deux rak'at qui complètent et terminent le tawaf. Voilà ce qui est la sunna du prophète alayhi wa sallam. Après avoir prié les deux rak'at du tawaf, nous nous sommes dirigés ici, comme vous pouvez le voir ici, derrière, vers les jerrycans de Zamzam. Nous avons pu boire de l'eau, comme l'a recommandé le prophète alayhi wa sallam, « An-nashraba » حتى نتضلع مرافقة إخواننا الذين يحمون الحجاج ويخدمون الحجاج. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. En fin de compte, entre Safa et Marwa, il existe plusieurs parcours sur différents étages. Il y a carrément un sous-sol, il y a encore un premier étage, et un deuxième. Et sur 7 niveaux, il existe des parcours entre le Safa et Marwa, et même un niveau réservé aux chaises électriques. Le haut de la montagne de Marwa. C'est la deuxième montagne où est-ce que nous sommes censés faire l'aller-retour entre Safa et Marwa. Et qui se trouve dans la partie nord de la Kaaba. Ça, c'est le niveau qu'on peut appeler le niveau principal qui sépare le Safa et le Marwa. On appelle ça le Mas'a, qui se trouve par rapport aux différents étages qui est au milieu. C'est-à-dire qu'il existe un étage inférieur où là, on voit véritablement le bas de la montagne de Marwa. Alors que là, nous sommes dans le niveau supérieur, au-dessus, c'est-à-dire où est-ce qu'on ne voit que le haut de la montagne. Et ensuite, il existe encore un autre niveau au-dessus. Dans le niveau au-dessus, on voit carrément, il n'y a même plus le Marwa, puisque le Marwa est dans le niveau qui est inférieur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Entre ma maison et mon minbar, c'est un verger du paradis. Baina bayti wa minbari, rawdatun min riyadil janna. Hada al makan alladhi tarawnahu 'inda al qubba al fiddiyya. Hada huwa al rawda. Wa amma al qubba al khadra hiya qabr an nabi alayhi salatu wa salam. Salut à la Rasulina.
cette construction, elle date d'environ 200 ans. La mosquée, elle a subi énormément de péripéties. Elle a même été détruite. À un moment donné, elle a pris le feu. Et donc, si vous qui voulez voir les détails de tout l'agrandissement, les étapes de la construction, vous allez dans le Maharet, l'exposition de la construction de la mosquée qui est là-bas. Voilà pour ce qui est de la mosquée de notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où est-ce qu'il va terminer sa vie. Après avoir vécu 10 ans et quelques ici, il va mourir, alayhi wa sallam, 70 ans.